Good morning, Aleiden. Les tutos aujourd'hui, les lunes, Matrifka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Yosef Chaim Ben Emma Simcha, Zara Bat Mazal Tov, Shish Portish. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra, Perektet, Mishnah Bet. Hiniyach Banim Uvanot Vetumtum. Bizman Shanechasim Merubim. Azecharim Dochin Oto Etzel Nekevot. נכסים מועטים, הנקבות דוחות אותו אצל זכרים. האומר, אם תלד אשתי זכר, ייטול מנה. ילדה זכר, נוטל מנה. נקבה 200, ילדה נקבה, נוטלת 200. אם זכר מנה, אם נקבה 200, וילדה זכר ונקבה, זכר נוטל מנה, והנקבה נוטלת 200. ילדה טומטום, אינו נוטל. אם אמר כל מה שתלד אשתי איטול, הרי זה איטול. ואם אין שם יורש אלא הוא, יורש את הכל. משנה simple dans le principe, mais alors pour l'exposer, on risque de peiner un petit peu. Il va falloir quelques petites introductions. Tout d'abord, on commence par rappeler la Mishnah précédente, le principe de la Mishnah précédente, parce qu'on va l'utiliser en l'adaptant dans un cas particulier, celui du Tumtum et de l'Androgynos. Alors on commence d'abord à faire un petit peu d'ordre. D'abord, on rappelle, hier, on apprenait quelque chose d'original. Jusqu'à maintenant, on savait que lorsqu'il y a des garçons et des filles, des enfants, des héritiers, garçons et filles, les garçons héritent et pas les filles. Hier, on apprenait quelque chose, depuis déjà même avant-hier. On apprenait que le père est tout de même engagé à nourrir les filles jusqu'à qu'elles se marient. Ça fait partie des Tnaï Ktouba. Lorsqu'on écrit la Ktouba à sa femme, on s'engage à donner une Ktouba à la femme en cas de décès et à la nourrir jusqu'à que qu'elle décide de se remarier avec quelqu'un d'autre et aussi de nourrir ses filles. Et il y a encore plusieurs Tanaï Ktouba, c'est évoqué dans Masechet Ktouvot. Maintenant, hier on apprenait une situation originale, que lorsque le père décède, les garçons héritent, mais ils doivent maintenant, avec les biens du père, nourrir les filles. Et on apprenait une situation où il n'y avait pas assez de biens, uniquement de quoi nourrir les filles, mais pas de quoi en laisser pour les garçons. Et dans ce cas-là, on avait appris que les filles seront nourries et les garçons iront mendier et taper aux portes. Ça, c'était le rappel de la Mishnah précédente. Maintenant, pour notre Mishnah, on va parler d'un cas particulier lorsqu'il y a un enfant du troisième type. En plus des garçons et des filles, il y a un tumtum et un androgynos. Alors, androgynos, ça se lit comme en français, androgyne. Quelqu'un qui a deux sexes. Et un tumtum, c'est quelqu'un qui n'a pas deux sexes. En réalité, la Gemara explique qu'il a une peau dans les parties génitales et on ne peut pas définir ce que c'est un garçon, une fille, ou peut-être c'est vraiment quelqu'un du troisième type. Comme on va évoquer, est-ce que c'est un troisième type ou c'est uniquement une situation où on a un doute, est-ce que c'est un garçon ou une fille, mais qu'il est certainement soit l'un, soit l'autre. D'accord ? On commence maintenant à évoquer et à avancer doucement dans la Mishnah. Hiniyach banim uvanot vetumtum. Le père est décédé et il a laissé comme héritier des garçons, des filles et en plus de ça un tumtum, un asexué. D'accord, on va traduire ça asexué, ça se dit plutôt pour les végétaux, mais j'ai vérifié, ça peut aussi se dire pour les hommes, enfin pour les êtres humains, parce que c'est plus c'est ni un homme ni une femme. Donc, et pour un tumtum, un asexué. Donc il a laissé un garçon, une fille et un asexué. Alors la Mishnah nous enseigne. Bizman shanechasim, c'est simple, ça va être une balle de ping-pong entre deux raquettes, les garçons et les filles. Chacun selon son intérêt, on va lui dire hey, toi t'es un garçon, et l'autre ils vont lui dire non, toi t'es une fille. Et comme ça ils vont le balader le pauvre. Le minimum qu'il pourra prendre, il le prendra, et ce qu'il pourra pas prendre, il ne le prendra pas. C'est le principe de toute la Mishnah, adapté dans deux situations, et on évoquera un petit peu plus selon le Tosfot Yom Tov. Bizman shanechasim merubim. On commence avec un cas simple. Il y a plein de biens, donc de quoi nourrir les petites, les filles, et en plus de ça, de quoi laisser une belle part pour les garçons. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les garçons? Azecharim dochinoto et tsel nekevot. Les garçons vont le repousser, vont lui dire oh, toi t'es pas un garçon toi. Peut-être que t'es une fille. On va te donner de quoi te nourrir jusqu'à que tu deviennes adulte, et puis après, tu nous laisses la part, on te donnera pas une paire. Une part parmi les frères. D'accord ? Maintenant, situation inverse. Nechassim mu'atin. Le père a laissé peu de biens. Soit, il a laissé uniquement de quoi nourrir. Ouais, on avait rapporté l'exemple qu'il avait laissé 1 million et qu'il fallait 200 000 pour nourrir les trois petites sœurs. C'est la situation là maintenant. Il reste 200 000 pour nourrir les trois petites sœurs et
éventuellement le tumtum, le troisième type asexué. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Eh ben, on ne le nourrira pas. Les filles diront non, peut-être que toi tu es un garçon, donc tu dois aller toi aussi mendier. Nechassim mu'atin, donc c'est laisser des biens restreints. Anekevot dochot oto etzel azecharim. Les filles le repousseront chez les garçons et diront non, peut-être que toi tu es un garçon. D'accord? Pour le moment, tout va très bien. On va d'abord finir toute la Mishnah, on refera un petit peu d'ordre, on apportera ensuite le beau sujet évoqué par le Tosfot Yom Tov. On en aura besoin pour la suite en réalité. Mais autant avancer. Ha'omer im teled ishti zachar itol mané. Maintenant, on parle d'une autre situation, on parle d'autre chose. On revient maintenant sur les matnat shriv mera, les cadeaux que fait, les dons que fait l'agonisant. Avec un cas spécial. Ha'omer, celui qui dit, quand il est sur son lit de mort, im teled ishti zachar, le pauvre, il est en train de laisser sa femme, il est en train de laisser une femme enceinte, et il dit, si sa femme accouchera d'un zahar, d'un garçon, itol mané, que ce garçon prenne un mané lorsqu'il naîtra. La Mishnah nous enseigne, yalda zahar, notel mané. Si la mère a finalement accouché d'un garçon, il prendra un mané. Soit, un mané, c'est une somme de 100 zouz, un petit supplément. Genre, il avait en théorie déjà des héritiers, ils hériteront tout. Mais en plus de ça, il a voulu rajouter un petit cadeau supplémentaire pour ce futur nouveau-né, un garçon qui sera lui-même héritier, mais il a voulu lui rajouter une petite part, un mané supplémentaire, un 100 zouz, ou encore Nekeva Mataim, ou si c'était une fille, il lui a promis de lui, il a voulu lui donner 200 zouz, alors il y a le Danekeva, si la femme accouchera d'une fille, Notelet Mataim, cette fille prendra 200 zouz. Et on continue encore tout de suite, on va faire le point tout de suite. Im zachar mané im nekeva mataim. Maintenant, s'il a dit les deux phrases, il a dit si c'est un garçon, je lui fais un cadeau de 100 zouz. Et si c'est une fille, je lui fais un cadeau de 200 zouz. Ouais, les petites filles, elles ont besoin de plus d'argent, étant donné que si ça manque d'argent, il faut aller mendier. Et on n'a sûrement pas envie de laisser une petite fille aller mendier plutôt qu'un garçon, c'est déjà. D'accord? Ça rapportait dans la Gemara. Donc là, c'est pour ça qu'on a choisi des coefficients différents, mais c'est la même, ça revient en même. Donc si c'est un garçon, je lui donne 100 zouz. Si c'est une fille, je lui donne 200 zouz. Comme ça, il a explicité. Et finalement, il s'avérait que la mère avait des jumeaux, un garçon et une fille. Veyalda zachar unkeva, et elle a accouché d'un garçon et d'une fille. Zachar notel maneva nekeva notelet mataim. Le garçon prendra 100 zouz et la nekeva prendra 200 zouz. Après, dans la suite de la mission, on va revenir sur l'histoire du tumtum. Mais pour le moment, ça c'était une introduction pour apporter une suite qui va parler du tumtum, mais il y a en soi-même un petit chidouche à préciser. Soit, de quoi on est en train de parler? On est en train de parler qu'il y avait ici un shriv mera. On revient avec les... Plus on va avancer dans le Pérec, plus on va en parler. Des dons que fait l'agonisant. Tout d'abord, toute donation dans la Torah, elle doit être concrétisée par un acte d'acquisition. Un maasé kinyan, acquérir, je te cède, tu fais un maasé kinyan. Il y a plusieurs solutions, kesef, shtar, chazaka, khalipin. On a déjà évoqué longuement tout type de kinyan que l'on peut réaliser. Maintenant, il y a un cas particulier, en théorie. Si je vous dis, je te donne ma maison, je te promets, je te jure, pas tous les noms possibles, ça sert à rien. Il faut faire un acte d'acquisition. Même si on a conclu, on s'est promis, il faut l'acte, toujours, pour concrétiser. Un cas particulier, c'est l'agonisant qui donne, qui fait des cadeaux, donc qui lègue ses biens sur son lit de mort. Chachamim m'ont dit, si jamais tu commences à lui demander de faire un acte d'acquisition et qu'il ne va pas trouver comment le concrétiser, il n'y aura pas de shtar, il n'y aura pas de soudar, il n'y aura pas de foulard pour faire le maaseh khalipin, il va rentrer en panique et il risque de mourir plus tôt. Chachamim m'ont dit, l'agonisant, le shriv mera, dès qu'il dit qu'il donne, il donne, par la bouche uniquement. Ça, c'est une leçon qu'on a évoquée et qu'on reverra plus tard. Il y a maintenant un cas particulier dans notre Mishnah. Tout d'abord, je ne peux pas donner quelque chose qui n'est pas encore venu au monde. Je ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un qui n'est pas encore venu au monde. Selon ce principe, je ne peux pas dire faire un maaseh kinyan ou faire acquérir le cadeau, pour la prochaine fois que quelqu'un me fera un cadeau, je vous le donnerai. Je ne peux pas vous le céder. Pourquoi? Il n'est pas encore dans mes mains pour que je puisse le donner. En adam akne devar shelo bala olam. Un homme ne peut pas donner quelque chose qui n'est pas encore venu au monde. Sur le même principe aussi, s'il y a une personne qui n'est pas encore venue au monde, soit une femme qui, je promets à
ma sœur que je lègue, je donne à son prochain, je donne à son prochain nouveau-né 100 000 shekels. Je peux pas lui, il n'aura rien acquis parce que en Adam Makne Davar Shelo Baal Haolam, un homme ne peut pas donner quelque chose qui n'est pas venu au monde ou donner les Davar Shelo Baal Haolam, donner à quelqu'un qui n'est pas encore venu au monde. S'il n'existe pas, je ne peux pas lui donner. Il n'y a pas une propriété qu'il peut acquérir pour lui. Ça, c'est une notion claire. De ce fait, je ne peux pas, en théorie, donner quoi que ce soit à un nouveau-né qui va naître. C'est vrai, mais il y a une exception à la règle. Autant que Chachamim ont dit que l'agonisant, il peut faire un don sans masse et kinyan, et ben pour lui, on lui ouvre toutes les portes possibles, et pourra même donner quelque chose qui n'est pas encore venu, ou plutôt donner à quelqu'un qui n'est pas encore, qui n'existe pas encore, à donner un futur enfant qui naîtra. D'accord ? C'est écrit ici dans notre Mishnah, donc on refait ça dans les mots. Celui qui dit, si ma femme, à Omer, si ma femme accouchera, pas moi, shalom, quelqu'un qui est agonisant, et qui dit, si sa femme accouchera d'un mâle, d'un garçon, itolmane qu'il prenne 100 zouz, un cadeau supplémentaire, yalda zahar, lorsqu'elle accouchera, notelmane, il prendra le mané. Le mané, c'est 100 zouz. Nekeva, donc si elle accouchera d'une fille, qu'elle prenne 200 zouz, yalda nekeva, notelet mataim. Si elle, lorsqu'elle accouchera de la fille, elle lui prendra 200 zouz. Idem aussi, il y a un petit chidouche supplémentaire là encore. Im zahar mané, im nekeva mataim. Il a dit les deux formules. Maintenant, si c'est un garçon, 100 zouz. Si c'est une fille, 200 zouz. Et ce qui se passe, c'est qu'il a eu les deux. Qu'est-ce qu'on fera? La Mishnah nous enseigne que, eh ben concrètement, vous aurez pu me dire qu'il n'a pas voulu donner 300 zouz au final. Il s'est dit soit 100, soit 200. Et ce qui se passe, c'est que là, Yalda, Zachar, Venekeva, elle a eu les deux. Alors sur ça, la Gemara précise qu'il a concrètement envie de faire des beaux cadeaux à ses enfants, même s'il en aura plein, il donnera à chacun tout ce qu'il faut. Et de ce fait, Yalda, Zachar, Venekeva, si elle a couché d'un garçon et d'une fille, Zachar, Notel, Mané, Venekeva, Notel, Et, Mataim, le garçon prendra 100 zouz et la fille prendra 200 zouz. Maintenant, on revient sur le sujet du tum-tum, de la sexuée. Idem aussi pour l'androgène. C'est un peu discuté dans le Tosafot Tov. On évoquera un cas un petit peu original. Yalda tum-tum, donc si elle a accouché maintenant, j'ai promis, si c'est un garçon, je donne 100. Si c'est une fille, je donne 200. Et elle a accouché d'un tum-tum. On ne sait pas ce que c'est. Eh bien, la Mishnah nous enseigne, et non, elle, il ne prendra rien. Et pourquoi il ne prendra rien? Vous allez me dire, mais c'est soit un garçon, soit une fille. Là, Gemara explique, c'est rapporté dans le Barthénora, que là on va selon l'avis, qui est, si je ne me trompe pas, Rabban Shimon ben Gamliel, qui pense que Tumtum et Androgynos, c'est un être du troisième type, ni un garçon, ni une fille, c'est encore autre chose. Et de ce fait, c'est pour ça que Eino Notel ne prendra pas. Mais pour la Lacha, on retiendra que c'est un doute, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Donc il prendra, comme le minimum que cela implique, soit il prendra 100 zouz, dans la mesure où si c'est un garçon, il aura 100 zouz, et si c'est une fille, de toute façon, il doit prendre même 200. Alors, donne-lui au moins 100, ce sera toujours ça de gagner. D'accord? Comme ça, ce sera la halakha, donc pas comme ce qu'il y a écrit ici. Maintenant, on continue toujours selon Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, qui n'a pas été explicité dans la Mishnah, mais que la Gemara explique que c'est lui qui parle, en fait, qui pense que le tum-tum, c'est un troisième type. Im amar kol ma shetele dishti itol. Maintenant, si elle a dit une formule pareille, quoique ma femme accouche, je lui donnerai 112, 212, et dans ce cas-là, ensuite, naît ce tum-tum, cet être asexué, alors un réseitol, dans ce cas-là, il faudra prendre, parce que bien sûr, c'est quand même un enfant à lui, même si c'est ni un garçon ni une fille. C'est encore autre chose, c'est un tum-tum, un androgynos. Ensuite, la Mishnah conclut avec une halakha. Ve'im en sham yoresh elahu, yoresh et akol. Maintenant, si il n'y a ni des garçons, ni des filles, mais uniquement ce tum-tum, alors ce tum-tum héritera. Soit, si on déduit de ce qui est écrit ici dans la Mishnah, ça à nouveau, ça fait partie de la même discussion, que s'il y a des garçons, il le tum-tum ou l'androgyne, n'héritera pas comme un garçon. Et s'il y a des filles, il n'héritera pas non plus comme une fille. Mais s'il n'y a ni des garçons, ni des filles, alors là, il héritera quand même. La Mishnah nous enseigne que même selon Rabban Shimon ben Gamliel, il pourra hériter. Attention, je fausse un petit peu la Mishnah, parce qu'il y a un problème, comme on l'expliquait, il y a ici un très long, pour vous donner une idée, regardez le très long Tosafot Yom Tov, qui rallonge beaucoup sur ça, je vais essayer de le synthétiser tant bien que mal. Là, donc, on est selon l'avis que le tum-tum, c'est ni un garçon, ni une fille, mais c'est encore autre chose. Et de ce fait, tant qu'il y a des filles, il ne pourra rien recevoir. S'il y a des garçons, il ne recevra pas, parce que ce n'est pas un garçon.
Si un des filles ne recevra pas parce que ce n'est pas une fille. Et s'il n'y a ni l'un ni l'autre, mais il n'y a que lui, alors là, on lui dira, ah, cette fois-ci, tu pourras recevoir, parce que là, c'est sûr que tu es quand même un héritier. Un héritier du niveau des enfants, mais qui est ni les garçons ni les filles. Si vous faites attention maintenant, il s'avère que la... On ne va pas l'alourdir, mais si vous faites attention dans la lecture de la preuve, du début de la Mishnah, on pourra déduire qu'en réalité, là-bas, on considérait que le tum-tum, c'est soit un garçon, soit une fille, mais pas que c'était quelqu'un du troisième type. Il y a en réalité une discussion sur le sujet. Soit, l'avis de Chachamim, et je crois que ça fait l'objet d'une discussion, comment retenir pour la halakha. Les avis, en général, le Barthénois lui-même va retenir pour la halakha que le tum-tum, c'est en réalité, c'est un doute. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? De ce fait, qu'est-ce qui se passera lorsque le tum-tum sera confronté à des héritières filles? Alors, il devra, quoi qu'il arrive, prendre une part, et une part très intéressante. Tout ça, il y a tout ça, Rabbi Kevegger, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ce qu'il dit, mais juste pour vous donner une idée, lorsque le tum-tum sera contre des filles uniquement, alors le tum-tum, il aura une très belle part de l'héritage. Parce qu'il dira, écoutez, si je suis un garçon, je prends tout. Vous voulez que je sois une fille? Alors je prends une part comme vous. Et à cause de cette situation de doute, alors on lui laissera en réalité la moitié et un quart supplémentaire des biens, s'il y a une seule fille. D'accord? On lui donnera tout d'abord la moitié parce que peut-être que tu es un garçon. Dans le doute, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, on dira bon, on coupe en deux. Peut-être que tu es un garçon, tu prends d'abord cette moitié. Et si tu es une fille, on prend la deuxième moitié, on la partage selon le nombre de filles, mais chacun il prend sa part. Il y a Rabbi Kevegger qui propose qu'en réalité, il devrait tout prendre et les filles ne rien prendre. Et ici, une discussion avec le Tifrat Yerushalayim, c'est très intéressant. D'accord? Donc, si on retient finalement, il y a une discussion. On synthétise maintenant. Il y a une discussion, est-ce qu'on considère le tum-tum et l'androgyne comme un doute, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Donc, quoi qu'il arrive, il sera toujours désavantagé, mais il sera au pire une fille ou au pire un garçon, selon la situation, on lui donnera toujours le minimum. Et on a Rabban Shimon Ben Gabriel qui pense que non, un tum-tum, c'est quelqu'un du troisième type, et on le repoussera complètement, tant qu'il y a des garçons, ils lui diront « t'es pas du tout un garçon », et les filles lui diront « tu n'es pas du tout une fille », et il ne pourra recevoir une part de l'héritage uniquement s'il y a. Lorsqu'il n'y a, ni garçon ni fille, ce sera le seul héritier. On fait à présent la Barthénois. Mais tum-tum, maintenant c'est quoi un tum-tum? Ça fait que Zahar, ça fait que Nekeva. Le Barthénois va, selon l'avis qu'il considère, c'est un doute. Est-ce que c'est un doute? Est-ce que c'est un garçon? Ou on doute? Est-ce que c'est une fille? Azharim dorimoto et zala Nekevot. Les garçons le repousseront chez les filles en lui disant non, tu n'es pas un garçon, tu ne prends pas de l'héritage parmi nous. Damrele, parce qu'ils lui diront Aitereaya, des Zahar at ushkol. Amène-nous donc une preuve que tu es un garçon et on te donnera une part des biens, mais pour le moment, tu ne ramènes pas de preuve. Hanekevot dochot oto etzal ezechrim. Les filles le reposeront chez les garçons. Dans quel cas? C'était le cas où il y avait des biens restreints et que les biens sont uniquement engagés pour nourrir les filles. Les filles lui diront non, toi, tu n'es pas une fille, tu es peut-être un garçon, donc tu ne recevras rien, va mendier. Hanekevot dochot oto etzal ezechrim, d'amrele, parce qu'ils lui diront aiteraya d'anekevahat, vetizon imanu. Amène-nous donc une preuve que tu es une fille, et on te donnera à manger avec nous, mais jusqu'à preuve du contraire. Alors, amosim chavor la varaya. Yalda zachar notel mané. Maintenant, c'était le cas où on est passé à autre chose. C'était la petite interruption au milieu de la Mishnah, où on introduisait tout d'abord la halakha de celui qui veut faire un cadeau à son futur nouveau-né, alors qu'il est shriv mera. C'est quelqu'un d'agonisant. Yalda zachar, donc lorsque sa femme accouchera d'un garçon, notel mané, il prendra un mané. Bien que l'on tienne la halakha de manière générale, que celui qui veut faire un cadeau à un nourrice, à un embryon, à mezake la ubar, il veut faire un zhout la ubar, il veut faire une donation à un ubar beherayon, d'accord, un hibour. Et qu'à mezake la ubar, lokana, on considère qu'il n'a pas acquis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui acquiert. Achab, shriv mera. Ici que l'on parle d'un shriv mera, de quelqu'un d'agonisant, et qui veut faire un cadeau à son fils, spécialement, que parce que c'est son fils, pas si c'était l'embryon de la voisine. Kana, cette fois-ci, il pourra acquérir. Pourquoi? Car les pensées d'un homme sont très proches de son fils. Et ce que je vous ai rajouté tout à l'heure, c'était selon le Barthénois qui vous disait, il rapporte le Nimo que Yosef, le Tosfot Yom Tov, il rapporte le Nimo que Yosef,
Pour ne pas qu'il devienne fou en disant ah, son fils il va naître, comment il va pas recevoir l'argent, il va, à cause de ça, il va mourir encore plus vite. Donc Rami, ils ont dit allez, vas-y, qui l'acquiert. Yalda Zahra ou Nekeva. C'était le cas maintenant, il avait dit les deux expressions. Si c'est un garçon, 100, pour une fille, 200. Et finalement, sa femme a accouché les deux. Teomi Miachad, des jumeaux. Yalda maintenant. Le cas où il y avait Yalda Tumtum, si elle a accouché d'un Tumtum, d'un asexué, et non dont-elle, il ne prendra rien du tout. Haimat Nitin Idreyalela. Cette Mishnah est repoussée. Cette partie de la Mishnah, elle est repoussée pour la halakha. Elle n'est pas retenue. Pourquoi ? V'ilcheta chez tumtum notel qui est pachot chez Mishnehem. La halakha fixe qu'un tumtum, cet asexué, prend le, comme le minimum. C'est soit un garçon, soit une fille, mais ce n'est pas autre chose. Ensuite, on avait vu dans la fin de la Mishnah, ve'imen sham yoresh elahu, s'il n'y a pas d'autre héritier sauf lui, yoresh et akol, il héritera tout, parce que dans ce cas-là, il sera au moins héritier. Et là, alors, nous, on a expliqué que ça allait selon Rabban Shimon ben Gamliel. D'accord, ça a rapporté de nouveau dans le même Bartenora, dans le même Tosot Yom Tov. Et le Bartenora nous rapporte juste uniquement, sache qu'il hérite, on aurait pu croire, de l'otem abiria bifnas, on aurait pu croire que c'est un extraterrestre. Une créature indépendante, qui n'a pas de rapport au Velav Bar Yerushaou, et qu'à ce point-là, qu'il n'est même pas apte à hériter, Kamashmalan, la Mishnah nous enseigne qu'effectivement il pourra quand même hériter. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.